Experience tranquility. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième et dernier épisode de mon Let's Play découverte sur le jeu Stardew Valley, un petit Let's Play de la tranquillité. Et donc dans cet épisode, comme je vous l'avais promis, et ben tout simplement je vais vous montrer une partie beaucoup plus avancée sur comment fonctionne le jeu un petit peu plus en endgame avec près de 40 heures je crois que j'ai cassé 40 heures sur ma partie principale. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se goupille à ce niveau là. Je vous montrerai 2-3 petits tricks, 2-3 petites informations, ça va être cool. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis le 15e, le lundi 15, oula non, je vais pas aller dormir, le lundi 15 de la deuxième année en automne, et j'ai un paquet de thunes, j'ai clairement un paquet de thunes. Vous pouvez le voir aussi, j'ai une maison qui est beaucoup plus grande, décorée bizarrement aussi, oui, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai aussi une femme qui doit être là, voilà, c'est Abigail, du coup c'est... les mots gothiques, voilà. C'est pratique d'avoir une femme. J'ai aussi un gosse d'ailleurs. Coucou, tiens, il est réveillé pour une fois. Voilà. Donc j'ai un gosse en plus que je n'ai pas adopté parce que on est un couple hétérosexuel. Voilà. C'est ma femme. Elle fait des trucs de temps en temps. De temps en temps, elle m'offre des trucs. De temps en temps, elle arrose des plantes. Elle fait plein de choses. Et voilà mon jardin. Alors bon bah là pour le coup c'est une ferme beaucoup plus classique. Alors en fait j'ai complètement déblayé la zone, il y a juste 2-3 petits trucs de flotte, là il y en a un là et un à droite je crois. Là vous avez la zone avec les arbres fruitiers, bon j'en avais planté que 4. Là vous avez un truc pour récolter du miel. D'ailleurs le miel c'est super cool. Si vous posez une ah merde, j'ai oublié son nom. En français. Voilà, la maison des abeilles en français, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Une ruche, voilà, merci. Je me parle à moi-même. Si vous posez une ruche, en fait, proche de fleurs, comme là, par exemple, ça, c'est des fleurs, eh ben, le miel changera. Par exemple, ici, c'est des fairy rose honey, parce que c'est des fairy roses qui sont ici. Donc, c'est super cool. Là, vous avez mes silos à grains, qui doivent être quasiment complètement remplis. Là, j'ai différentes, par exemple, ça, c'est des aubergines, donc on est en merde. Ah, je sais plus. On est en automne, voilà, c'est ça que je voulais dire. On est en automne, donc j'ai des aubergines, j'ai des plantations d'automne. Là, vous avez du raisin qui va me servir à faire du vin, mais je crois que j'ai pas encore de quoi faire du vin. Et c'est ça, il manque de la résine pour créer le vin. Ah oui, donc je vais vous montrer un petit peu. Bon, mon inventaire est quand même beaucoup plus grand. J'ai récolté en tout près de plus d'un demi-million. C'est cool. J'ai des petits équipements en plus d'avoir des boots. J'ai quoi? Là, voilà mes skills. Donc, je suis presque tout à max. Foraging, c'est long à maxer parce que franchement, il faut aller récolter des trucs dans la nature. C'est chiant. Le fishing, depuis que j'ai récolté tout ce qu'il fallait pour le community center en termes de poissons, bah, je prends plus rien. J'ai récupéré 2-3 petits trucs comme le Dwarvish Translation Guide et la Skull Key qui permet d'accéder à la cave infinie. Là en termes de social, bon voilà, Abigail je suis à 12, sinon j'ai pas beaucoup fait dans le social. Je veux dire que j'ai pas beaucoup fait dans le social parce qu'il faut donner des cadeaux, faut que je regarde sur le wiki en même temps pour savoir quels sont les cadeaux que les gens aiment, détestent, machin, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc en termes de crafting, j'ai quelques pages supplémentaires. Ah d'ailleurs, vous voyez ici les sprinklers, donc ça c'est les sprinklers de niveau 2, et là les sprinklers de niveau 3, et donc je sais pas si vous avez vu, mais tout est déjà arrosé dès le matin, c'est hyper pratique. Donc je vais récolter les tournesols, c'est quand même super pratique, parce que ça évite d'avoir à se taper la matinée à récolter des trucs. Donc je vais reposer. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la partie au nord. Là, j'ai mon chat. Alors, là, c'est là où se situe, c'est ma basse-cour, en fait, où il y a un peu de tout. Il y a mes canards, il y a des chèvres, d'ailleurs, voilà, vous voyez, on peut traire les animaux à l'aide d'un pail. Un milk pail. Voilà. Je récupère de quoi faire des trucs. On peut, là, dans ma grange, transformer tout ce qu'on veut. Par exemple, là, je fais du fromage. Si je mets du goat milk, ça fera du fromage spécial. Là, j'ai des recycleurs. Là, j'ai mes fours. Là, j'ai quelque chose pour... Tiens, je vais essayer. Je vais essayer, je vais voir si ça passe. Ça, c'est pour transformer en fruits confits.
Voilà, c'est parti, ça travaille. Là, vous avez un egg press, ça c'est pour faire des slimes. Là, je sais plus à quoi ça... Ah si, ça c'est pour faire du charbon à partir de bois, quand vous avez plus de charbon. Bref, j'ai quand même pas mal de choses. Ça c'est l'iridium, voilà, l'iridium bar dont vous aurez besoin, c'est le métal endgame, on va dire. C'est un métal qui est assez chiant à récupérer d'ailleurs, parce qu'il faut aller dans la Skull Key, ou alors tout au fond de la cave de base, mais vraiment tout au fond, et vous en trouverez pas beaucoup. Là, ici, il y a des champignons qui poussent de temps en temps, mais bon, là, c'est en rechargement. Donc voilà, petit rituel du matin, dire bonjour au chat, récolter tout... Est-ce que je suis allé chercher les œufs? Je crois que je peux aller chercher les œufs. Il faut que j'aille chercher les œufs. Voilà. Ah, voilà, ça y est, c'est automatique. Voilà, donc ça, c'est le dernier niveau, je viens de le finir d'ailleurs. La construction est infinie. Normalement, ça doit remplir automatiquement. Normalement. C'est pas censé être automatique, cette histoire? Ah oui, ils l'ont peut-être mangé eux-mêmes. Donc là, c'est à partir du moment où c'est automatique, ça va devenir un petit peu compliqué parce que il va falloir que je récolte un maximum de fourrage pour l'hiver. Parce que l'hiver va approcher, il y aura plus du tout d'herbe dehors. L'herbe, c'est celle-là. Hein. Il y en aura plus du tout dehors. Ça permet de récolter la haie, vous voyez. Et il faudra bien que je me débrouille. Alors, je vais aller poser ça. Donc vous voyez là, il y a l'étoile violette, c'est vraiment la meilleure, enfin c'est le meilleur produit possible. Je veux juste regarder. Ah oui, un petit truc, vous pouvez accéder au bundle du Community Center à partir de votre inventaire ici, ça évite d'aller chercher. Le mien j'ai déjà donné, ok. Donc vous voyez, j'ai quasiment tout fait, il me reste plus que deux zones à bundle à remplir. Le plus chiant c'est celui-là parce qu'il faut faire de la cuisine et tout, c'est un petit peu, ça va être un petit peu chiant, mais voilà, je suis presque au bout. Et c'est tant mieux. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Stardew Valley Fair qui est happening tomorrow. Alors. Donc voilà, ça c'était un petit peu la visite de ma ferme. Donc vous voyez, évidemment, l'environnement change en fonction de la saison, ce qui est cool. Je vais vous emmener un petit peu dans le désert pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Hop, direction le désert. Donc voilà, on est au désert. Donc ça, pour ça, il faut débloquer le... Enfin, il faut avoir réglé un des bundles complets du Community Center. Donc vous avez ici l'Oasis qui permet d'acheter des seeds rares, si je me souviens bien. Voilà, quelques seeds un petit peu rares, un petit peu chers aussi, 400 le Starfruit. Voilà, et là il y a le casino que je n'ai pas encore débloqué parce que j'ai pas encore fait les quêtes correspondantes. D'ailleurs j'ai vraiment un paquet de quêtes à la con que j'ai pas encore fini. Vous pouvez trouver des noix de coco, deux trois petits trucs. Pas forcément toujours intéressant, mais voilà. Vous pouvez trouver deux, trois petits trucs. Au nord, il y a... Là, ici, il y a un shrine où il faut apporter un item que vous pouvez trouver dans les géodes du donjon infini. Je vous invite à regarder quel est l'item, parce que c'est important, ça vous permet d'avoir une super arme. Ah, d'ailleurs, mon arme, elle était là. J'avais oublié qu'elle était là. Voilà, et donc là, c'est la Skull Cave. Vous pouvez y accéder qu'à partir du moment où vous avez la Skull Key. Alors, à la différence sur la Skull Cave, c'est que vous pouvez descendre plein d'étages d'affilée en trouvant des trous. Alors, attendez, parce que là, c'est un peu dangereux. Alors, on peut spammer comme ça, mais sauf que les slimes... Oula, 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 oula. Les slimes ont tendance à vous foncer dessus ou se mettre hors de portée de votre allonge. Donc, ça, on peut vite partir en couille. Vous voyez, j'ai déjà perdu pas mal de vie. Et on n'a pas vraiment de quoi se défendre à part avoir une meilleure arme. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. La Skull Cave, c'est pas facile. Faut pas s'y aventurer quand on est un petit peu novice. Bon, normalement, quand vous pouvez y accéder, vous avez déjà accédé jusqu'au niveau 130 et des patates. Donc vous devez être bien. Sinon, ça vous permet de trouver beaucoup d'iridium or ou des trucs comme ça. C'est très pratique. Je vais rentrer un petit peu en ville pour vous montrer autre chose. Donc voilà, la Skull Cave, vous allez y passer du temps, surtout si vous voulez faire du endgame. Parce que vous y trouverez plein d'items fort intéressants, de quoi compléter la collection, etc. Un autre truc sympa, c'est les cartes. Vous voyez ici, là, les trucs qui n'étaient pas actifs. Maintenant, ils sont actifs parce que j'ai débloqué un bundle, hein, évidemment. On peut aller à un nouvel endroit qui n'est pas encore débloqué, qui se trouve ici. Voilà, pareil, il faut débloquer avec un bundle. C'est la carrière. En gros, c'est des minerais et des pierres à l'air libre qui se rechargent tous les jours. Bon, pas autant tous les jours, mais voilà, il y a des recharges tous les jours. Vous pouvez même trouver de l'iridium, mais c'est très très rare. Et ça c'est fort pratique parce que ça vous permet d'aller à la mine directement ou en ville. Voilà, donc c'est hyper pratique pour se déplacer rapidement.
Je dois avouer que je m'en sers assez souvent. Du côté de la collection, normalement, je pense que j'en ai vraiment déjà beaucoup. J'ai pas encore pu accéder aux égouts parce qu'il manque encore pas mal d'artefacts. Faut tout remplir. Donc il manque cette zone-là et cette zone-là. Voilà, je commence à avoir une sacrée collection, mais je commence aussi à avoir énormément de doublons, ce qui m'énerve un peu. Voilà. Donc à propos de ça, c'est pas mal. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a quoi d'autre? Je n'ai pas encore débloqué les marais. Il y a encore plein de trucs que je n'ai vraiment pas encore débloqué parce que c'est compliqué. Il faut faire des suites de quêtes, faut être gentil avec des gens. Bref, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire que je n'ai pas encore faites. Mais voilà, montrer un petit peu le community center qui se répare en fait, au fur et à mesure que vous réparez des bundles, il se répare. Yep, c'est là. Bon, pas ici évidemment. Vous voyez, j'ai réparé ici, j'ai réparé là. Il y en a qui sont assez simples d'ailleurs à réparer, hein. Genre ici, le coffre-fort, une fois que vous l'avez débloqué, c'est juste, il faut leur donner de la thune. Bon, certes, le dernier bundle, coûte 25 000, donc je crois que c'est 2 000, 5 000, 10 000, 25 000. C'est pas rien au total, mais ça se fait. Ça se fait franchement très bien, vous voyez. Ici, il y a tout qui a été fait. Donc il reste que celui-là et l'autre. L'autre à droite. Donc on y est vraiment beaucoup. On est vraiment bien, quoi. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que je dois avoir débloqué, si j'ai amélioré mon barn, je dois avoir débloqué les derniers animaux disponibles pour les coop. Je vais aller les chercher. On va voir si c'est encore ouvert, j'espère, parce que je pense qu'il va être un peu tard pour que ça reste ouvert. Toc, on va descendre. Je crois que j'ai récupéré tous les poissons possibles. Bref, j'ai fait pas mal de choses jusque-là. Mais il y a encore plein de secrets à découvrir. Et c'est franchement cool. Ouais, c'est ça. C'est plus l'heure, évidemment. Ah! Tant pis. J'ai débloqué des bois secrets. D'ailleurs, vous en aurez besoin. Je vais vous montrer un petit peu où c'est. Vous en aurez rapidement besoin. C'est une zone assez sympathique. C'est un petit peu dangereux parce que c'est une des rares zones où, en fait, où peut y avoir des monstres alors qu'on n'est pas dans la mine. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que celle-là en dehors des mines. Voilà, c'est ici, c'est les bois secrets. Alors en fait, à la base, c'est bloqué par une bûche un peu spéciale où il vous faut la hache de niveau 3. Et donc en fait, cette zone, elle a des souches qui repoussent tout le temps, qui repoussent tous les jours. Et vous pouvez récupérer pour 12 de hardwood tous les jours. Parce que le truc, c'est que le hardwood, ça se trouve pas si facilement. Ça se trouve dans les caisses, comment ça s'appelle, dans les donjons. Dans les deux donjons, là, ça peut se trouver dans les caisses. Mais ça peut aussi se trouver en récupérant sur les souches ou les gros arbres tombés. Le problème, c'est que les souches et les gros arbres tombés, ben, il y en a dans votre champ, mais pas pendant longtemps. Ça, c'est marrant, ça a changé de couleur d'un coup. Vous pouvez pas en trouver, ça repousse pas tout seul, quoi. Donc, le seul endroit où vous pouvez en retrouver tous les jours, c'est ici, vous pourrez en trouver pour 12 de hardwood. Donc là, évidemment, j'en ai que 8 parce que les 4 derniers, ils sont juste en dessous. Il y a un petit passage secret pour y accéder, je vais vous montrer. Hop, c'est par ici. Donc voilà, tous les jours, vous pouvez récupérer pour 12 de hardwood. Et sachant qu'une des améliorations de votre maison vous coûte 150 de hardwood, déjà, gardez-le de base, hein, évitez de trop l'utiliser. Surtout si vous voulez vous en servir pour faire des comment ça s'appelle? Des fences, voilà. Hardwood fence, c'est les meilleurs... C'est la les meilleures... comment ça s'appelle barrières qui résistent le mieux, en tout cas. Le problème, c'est que ça coûte du hardwood. Et le hardwood, ça se trouve pas partout. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le sauvegarder au maximum. Je n'ai pas encore débloqué les égouts, je n'ai pas, ouais, j'ai pas encore tout débloqué du tout, hein, il reste encore pas mal de choses. Mais franchement, le jeu est tellement énorme, il y a tellement d'items à aller trouver dans tous les sens. Je trouve que d'ailleurs ma ferme elle pue la merde parce que il y a énormément d'espace libre que je n'ai pas encore utilisé, hein. Il y a tout par ici. Là, vous voyez, toute cette zone-là, je me suis pas encore servi. Déjà, ça m'a pris 20 plombes à tout virer, hein, parce qu'il y avait là, il y avait, c'était la forêt, hein, littéralement, il y avait que des arbres. Je n'ai pas encore tout viré. Il faut que je m'achète des sprinklers, mais vraiment un truc de mastoc. Je pense qu'il y a vraiment moyen pour faire en sorte que j'ai énormément une production de fou à l'américaine, quoi. Voilà pour mon petit chez moi, c'est plutôt pas mal je trouve. Il me reste encore une amélioration à acheter pour ma maison qui me permettra d'avoir un sous-sol. Plutôt pratique. Oula, ça j'en ai besoin, j'ai gardé ça. Hop.
Je vais ranger dans mes coffres. Alors oui, ma maison, elle est totalement dégueulasse. Je vais la ranger dans l'autre coffre dehors. Ma maison est totalement dégueulasse parce que j'ai pas encore pris le temps de faire un petit peu de décoration. Et oui, c'est très très moche. Donc, on va passer la nuit. Oh, level 9 en foraging. Ah, le totem de pluie, cool. Donc, vous voyez, généralement, par jour, je me fais 6 à 7 000. Ça va. Au bout d'un moment, on commence vraiment à se faire de la thune. Et c'est plutôt cool. Donc, par contre, en hiver, je vous préviens, vous faites rien pousser. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Elle a changé de wallpaper. Eh oh. T'énerve pas non plus. Oui, d'accord. Donc là, en fait, elle a changé de wallpaper à l'aide de ça. Ça, c'est un truc que j'ai acheté. C'est le catalogue. Ça s'achète à 30 000. Et en fait, vous pouvez avoir tous les wallpapers gratos, ainsi que les sols gratos. Faudrait peut-être que je réorganise un peu tout parce que là, c'est franchement débile. Je suis un petit peu complètement niqué ma maison. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, normalement, aujourd'hui, c'est le festival. D'ailleurs, faudrait que j'apporte des produits. Bon. D'ailleurs, je pense qu'on va aller au festival. Le festival qui commence à 9 h dans la ville. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ça c'est l'event de Stardew Valley Fair. Voilà, c'est un des deux events de l'automne. Il y en a toujours deux par saison. Dedans, on peut acheter des trucs. Oh, on peut acheter un Star Drop. Alors le Star Drop c'est hyper puissant parce que ça permet d'augmenter la jauge d'énergie de je sais plus combien de points, donc c'est mais de manière permanente. Du coup c'est hyper pratique. Sauf qu'il faut 2000 étoiles, des étoiles qui sont des petits trucs du comment dire. Il y a aussi un Scarecrow, un collectible. Voilà, c'est les étoiles, c'est la monnaie de l'event. Et il faut aussi que je place des trucs là-dedans. Alors là, c'est en gros l'event qui consiste en afficher ce qu'on est capable de faire. Voilà, moi j'ai pris un peu des trucs au pif chez moi en espérant que ça passe. On verra bien. Après, il y a plein de petits mini-jeux sympatoches. On doit pouvoir acheter d'ailleurs des. Est-ce que je pourrais acheter suffisamment? Il m'en faudrait 2000, c'est ça? Ouais, je pense que j'en aurais pas assez. J'ai pas 100 000 balles. Merde! Bah, j'aurais bien acheté le Star Drop parce que c'est. Bah, il faut attendre encore une année pour le récupérer, sachant qu'il n'y en a pas 36 milliards. Dans le jeu, ils sont très très rares. Ouais. Sachant que je dois pouvoir en gagner un petit peu ailleurs. Il y a plein de mini-jeux. Ah ouais, il y a même aussi des jeux d'arcade. J'essaierai de vous les montrer. Ah oui, c'est vrai, cette histoire, ça joue comme ça. Ah! Ah, je suis une bite! Je suis vraiment horrible. Oui, parce que en plus d'avoir des armes corps à corps, il y a aussi des armes à distance, même si je trouve que je joue très mal avec. Et j'ai l'impression que ça confirme mes dires. Oh là là. Non, j'ai raté! Je suis une vraie brêle. Horrible. Horriblement nul. Trente. Wouhou! Voilà. Bon, vous voyez, il y a pas mal de mini-jeux. Je pense que là, il doit y avoir la trappe des poissons. Ça coûte un peu de thunes, mais franchement, voilà. Donc là, en gros, on a 2 minutes pour attraper des poissons. On va voir d'ailleurs. Est-ce que c'est avec ma canne à pêche à moi? Parce que j'ai une super canne à pêche, vous allez voir. Alors, ce mini-jeu est un peu chiant parce que, au final. Ah oui, c'est ma canne à pêche. Donc, vous voyez, la zone verte, elle est quand même beaucoup plus grande. C'est quand même beaucoup plus pratique. Facile de faire des perfects avec ça. Merde. Je me suis bien viandé. Donc, il y a toujours des petits mini-jeux. Enfin, pas forcément à tous les events, hein. Mais genre, il y a une chasse à l'œuf au printemps. Il y a vraiment des trucs sympas. Je trouve ça assez cool. Ça rajoute un peu du jeu dans le jeu. Et je trouve ça vraiment sympa.
En plus, quand tu sais que le jeu a été fait par un seul type à la base, bon, après, il y a eu d'autres versions qui sont sorties, je pense que, vu le carton qu'il a fait avec ce jeu, il est encore assez haut dans les zones Twitch, alors que ça fait quoi, presque un an qu'il est sorti. Non, franchement, ce jeu, il est franchement cool. Moi, j'aime beaucoup. Il m'éclate pas mal, et en fait, il me fait passer le temps, il se fait passer le temps, en même temps il me met un peu plus tranquille, parce que je dois dire que j'étais pas mal stressé ces derniers temps, et ça me met particulièrement bien de jeu à jeu, ça me détend, faire une ou deux journées complètes sur le jeu, bon là j'ai pas mal enquillé, des fois je faisais des mois entiers, mais de temps en temps maintenant je le rallume pour faire un ou deux jours où je m'occupe bien de ma ferme complètement, c'est sympathique, ça me détend. Et franchement, pour un jeu à 12€ acheté en solde à moins de 12€, bah... Je trouve ça plutôt cool. Par contre, j'ai l'impression d'être pas mal chier. Oh, j'ai réussi à choper un truc à la dernière seconde. Score 61. Oh, 108. Ouais, c'est pas si impossible que ça de faire des trucs. Hein. Donc voilà, il y a pas mal d'events. La bite aussi se gagne la sueur. Yeah. Ah, j'étais pas mal. Oh oui! J'en ai juste un Star Token. Ah oui, d'accord. Tellement la galère. Donc là, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est accéder aussi au concours. Je pense que je vais le faire, parce que de toute façon, j'ai pas assez de thunes. J'ai un peu la flemme de me faire les mini-jeux. Je vais aller accéder au concours. Donc en fait, il faut parler toujours au maire pour lancer l'événement. Donc là, il va dire que tout le monde va se regrouper. Il va aller juger. Il va juger un petit peu quels sont les produits des différentes personnes. Ouais, je pense que je me démarque un petit peu par ce que je récolte. C'est quand même pas super ordonné, mes trucs. T'es qui, toi? Touriste. Ah, ok. Il y a des touristes aussi. Ah, mais il y a d'autres trucs ici. Il y a des poulets et tout. Il y a une diseuse de bonne aventure. Enfin, ils sont tous là. Je trouve ça vraiment cool, d'ailleurs. Hein. Ces events où on peut voir d'autres gens. Enfin, les mêmes personnes, mais sur... de différentes facettes, en fait. Et ça rend le jeu vivant, ça rend le jeu vraiment vivant. Il y a tout un côté social que moi j'ai pas exploré qui a l'air vraiment sympathique. Seconde place avec 81. 500 Star Token. Eh ben, on achèterait peut-être les... combien il manque? Pour 2000? Déjà commencer par 1000, je ferai le calcul plus tard. Ah bah attendez. Il manque encore. J'ai pu avoir beaucoup de thunes, mais c'est pas grave. De toute façon, ça remonte vite. Là, il m'en faudra encore 251. Non, 61. Croix. J'ai une nouille en calcul mental. Et hop. Bon, il m'en faudrait encore 800 pour acheter le Scarecrow Collectible, mais voilà. Vu qu'il n'y a pas la jauge, c'est pas marqué. Voilà, Star Drop et mon niveau d'énergie augmenté. Voilà, voilà. Donc c'est hyper cool, hyper pratique. Enfin, hyper pratique. Hop. C'est quand même vachement pratique. Donc là, on est passé à 372, sachant que le maximum est aux alentours de 500 et on commence à 270. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est fort utile de trouver des Star Drops, sachant que ça doit être le troisième que je trouve. C'est plutôt cool. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, vous êtes vraiment sur une partie pas mal avancée, même s'il y a encore beaucoup de trucs à découvrir de mon côté. Vous avez à peu près l'idée du jeu à ce niveau-là. Eh, en plus il pleut. Donc, c'est sur cette journée morose où il pleut, mais vous n'avez pas besoin d'arroser du coup. Vous êtes plutôt content d'ailleurs quand il pleut et que vous êtes encore aux arrosoirs, parce que pas besoin d'arroser, tout est arrosé de base. C'est sur cette journée pluvieuse que je vais vous laisser.
J'espère vous avoir donné envie de vous intéresser un petit peu à ce jeu. Évidemment, il n'est pas en français, hein. Il y a plein de langues de disponibles et pas le français. C'est dommage. Même si bon, franchement, si vous débrouillez un petit peu en anglais et que vous arrivez à lire, tranquille. Je vous conseille. Oula, pardon. Oula, j'ai un petit peu bugué. Je vous conseille de jouer avec les wikis. C'est plus facile. Ça tue pas forcément le jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à récupérer dans tous les sens. Et par exemple, si vous cherchez le poisson un petit peu chiant à récupérer, il faut savoir où est-ce qu'on les trouve, à quelle heure, tout ça. C'est plutôt pratique. Pareil pour les relations avec les gens. Parce que si vous devez donner des items super chers pour trouver ce qu'ils aiment, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des items qu'ils aiment, d'autres qui détestent, d'autres qui, voilà. D'autres ils en ont rien à foutre. Donc imaginez que vous fassiez pendant trois plombes la même chose, c'est-à-dire donner des items qui augmentent pas le niveau d'amitié. Bon, c'est pas foufou. Voilà. Donc c'est sur cette petite leçon que je vais arrêter là ce petit let's play de la tranquillité, un let's play découverte de trois petits épisodes sur le jeu Stardew Valley que j'apprécie beaucoup. Voilà. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un petit peu habillé comme Josuke dans la partie 8 de Jojo Bizarre Adventure. Je suis sûr, à peu de choses près, je suis sûr que le créateur du jeu est un fan des Jojo Bizarre Adventure. Parce que franchement, avoir mis un petit chapeau de marin, avoir permis la possibilité de s'habiller un petit peu comme ça, avec un truc qui s'appelle Joja, bon, qui fait effectivement penser à Coca, mais en même temps, vu comment c'est marqué, on dirait Jojo. Voilà. Je pense que c'est un fan de Jojo. Sur ce, je vais vous laisser sur cette conclusion absolument minable. On se retrouve bien évidemment dans 4 jours pour un tout nouveau let's play que j'ai déjà choisi, vous inquiétez pas, ça sera sur le retour de Banished. On va essayer encore de faire une nouvelle ville. Voilà, un petit let's play encore de quelques vidéos. Ça va être plutôt cool. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à laisser des commentaires dans les commentaires, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, etc., etc. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et à une prochaine fois. Salut à tous!